Atreus, par ici. Bien. Il y a un parchemin ici. Il appartenait au fils. Waouh, il en avait des choses à dire. Père. Pardonne-moi, rongé par les remords, regrette mes actes. S'il avait réfléchi avant d'agir, il n'aurait pas eu tous ces remords, pas vrai? Ouais, on devrait peut-être apporter ça à son père, dans la réserve. On est perdu? Non. Très bien. Veux-tu qu'on termine cette histoire? Surt le Brave et son épée de flamme, destinée à consumer Asgard au jour du Ragnarok. Nous reprendrons plus tard. Ce n'est sûrement rien. Il a juste dit que le garçon lui rappelait quelqu'un. Moi? C'est pas possible. Non, je suis bien d'accord. À moins que peut-être qu'il fait référence à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La légende dit que quand Jormungandr et Thor s'affronteront lors du Ragnarok, l'arbre de vie tremblera si fort qu'il se fendra, en voyant le serpent dans le passé, avant même sa naissance. Quoi? C'est absurde. Ah, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter.
Qu'est-ce que vous voulez encore, imbécile? Me dépouiller de mes bottes et de mes dessous? On a trouvé votre fils. Lui aussi a été trahi. Et on a trouvé une partie de son journal. Il disait qu'il regrettait de vous avoir tué. Ça me fait une belle jambe. Comment est-il mort? En se battant, j'espère. On a trouvé 4 corps près du sien. Ils avaient été décapités. Ha! Vandrid gardait toujours son épée bien aiguisée. C'est moi qui lui avais appris ça. Ah, c'était un meurtrier et un traître. Mais je suis content de savoir qu'il est au Valhalla. Merci. On a fait une bonne action. Je suis content qu'on soit venu ici. Ce voleur ne méritait pas la paix que tu lui as accordée. Peut-être. Mais ça fait du bien d'aider les gens. Même s'ils sont morts. On croirait entendre ta mère.